Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. C'est la fin. Bravo, bravo Alma, c'était super. Tu vois, tu devrais t'inscrire dans une chorale, je te le dis moi. Grand-père, voyons, je le sais déjà. Mais bon, je préfère chanter avec toi, hein. Qu'est-ce que je ferais sans toi, voyons? Mais tu sais, je ne serai pas toujours là, hein. Il y a un moment donné, il va falloir que tu te débrouilles toute seule pour chanter, parce que je pourrais plus te donner cours. Mais grand-père, on n'y est pas rendu, t'inquiète pas. Mouais, on verra bien. Bon, allez, moi je vais devoir rentrer. À bientôt, grand-père. À bientôt, Alma. Coucou, maman, je suis rentrée. Ah, coucou, ma chérie. Bon, tu vas être prête pour partir avec tes amis pour Halloween? Oui, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. C'était bien avec grand-père tout à l'heure. Ouais, c'était trop bien, j'ai encore chanté avec lui. Il fait que de me dire que je devrais m'inscrire dans une chorale, mais bon, je suis pas encore sûre. Et bah, tu feras les choix que tu veux. Bon, tu vas être prête pour y aller? Oui, c'est bon. Tiens, mais qui appelle à cette heure-ci? Allô? Allô? Madame Cabrouche? Oui, c'est moi. C'est l'hôpital. Votre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre père est mort. Quoi? Non mais attendez, vous êtes trompé de numéro? Non, c'est bien votre père qui est décédé. Il a fait un arrêt cardiaque. Comment c'est possible? Mais tout allait bien tout à l'heure. C'est pas possible. Non. Je suis désolée. Mais c'est terminé. Non. Comment on va faire sans lui? Comment on va faire? Dis-moi, comment on va faire? Je sais pas, ma fille. Je sais pas. Pourquoi, en plus de ce soir d'Halloween? Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, écoute, je pense qu'on va rester là toutes les deux. Ce sera mieux. Oui, mais comment je vais faire? C'est lui qui me donnait mes cours de chant, c'est lui avec qui j'étais le plus proche. Comment je vais faire? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, écoute, maman, je crois que je vais aller dormir. Je ne peux pas envie de rester éveillée plus longtemps. D'accord. Moi aussi, de toute façon, je pense que là, je suis pas en état de rester debout. Comment on va faire? Grand-père, pourquoi t'es parti maintenant? J'avais besoin de toi, moi. Enfin! Réveille-toi. Ah mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ah. Ne t'inquiète pas, je suis la sorcière du monde des morts. Je peux t'emmener revoir ton grand-père si tu veux. Quoi mais comment ça mais comment c'est possible? Alma, tu as un choix à faire. Soit tu restes ici, dans ce monde, soit tu rejoins ton grand-père. Tu auras 3 semaines pour te décider. Je vais t'emmener tout de suite et tu auras 3 semaines pour décider de rester dans le monde des morts ou non. Mais attendez, attendez. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais où suis-je? Et pourquoi c'est ouvert? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Alma, c'est moi. La sorcière du monde des morts. C'est moi qui t'ai emmenée ici. Mais pourquoi je n'ai même pas pu choisir si je voulais venir ou pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que je veux en fait? C'est exactement pour ça que tu es là. Tu vas avoir un choix. Il va falloir que tu choisisses. Soit tu vas pouvoir continuer à voir ton grand-père ici. Soit, eh bien, tu devras rester sans lui pendant très longtemps. Mais comment ça, je peux voir grand-père? Où est-ce qu'il est? Où est-il? Alma, ton grand-père est mort le soir d'Halloween. C'est hyper rare. C'est pour ça que tu as un privilège. Toutes les personnes qui meurent le soir d'Halloween ont le privilège de pouvoir choisir de rester avec eux pendant plus de 3 semaines. Et tu fais partie de ces chances-là. Mais pourquoi ma mère, elle n'est pas là alors? Pourquoi il n'y a que moi? Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne ici. Et tu étais la plus proche à présent. Mais s'il y a grand-père, ça veut dire qu'il y a grand-mère. Oui,
Seulement, tu ne peux ne rester qu'avec une seule personne des deux. C'est soit tu passeras ta vie avec ton grand-père, soit avec ta grand-mère. Et tu ne pourras qu'y passer ta vie avec les deux, une fois venu le vrai jour de ta mort, même dans ce monde. C'est-à-dire que même, je pourrais même pas la voir? Non. Et tu ne pourras avoir aucun contact physique avec ton grand-père. Tu pourras seulement le voir. Il ne pourra pas t'entendre et toi non plus. Il pourra seulement te faire des gestes. Que choisis-tu? Veux-tu voir ton grand-père? Je le veux! Eh bien alors, le voici. Grand-père! Ah! Tu m'as tellement manqué. Je te rappelle qu'il ne peut pas t'entendre. Il ne comprend rien à ce que tu lui dis. Comme toi, il te voit. Mais vous ne pouvez pas l'entendre et me dire ce qu'il raconte. Moi, je peux l'entendre. Mais je n'ai pas le droit de te révéler ce qu'il dit. Si tu restes dans ce monde, tu le verras comme ça, tout le temps, jusqu'au jour de ta mort. Mais ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que je suis morte, c'est ça? Oui. Enfin, disons qu'elle te croit disparue. Si tu restes ici, au bout des 3 semaines, ta mère recevra un appel comme quoi t'es morte, que t'es tombée de vélo ou enfin quelque chose du style. Si t'y retournes, elle croira seulement que t'as disparu. Mais tu ne devras jamais lui raconter ce qui s'est passé ici. Mais je ne pourrai jamais ne pas lui dire. Eh bien alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Reste ici. Regarde, vous avez beau avoir une barrière qui vous sépare. Vous êtes ensemble, non? C'est le plus important. Alma, réveille-toi. Alma, mais où est-ce qu'elle est? Alma! Allô, la police? Oui, bonjour, madame. Ah, je suis la mère d'Alma. Elle a disparu. Est-ce que vous pouvez lancer une alerte enlèvement, s'il vous plaît? D'accord, à quoi ressemblait votre fille? Elle a un t-shirt orange avec une orange dessus. Et un short rouge. Les cheveux châtains. Un nœud orange. Et des sandales grises. D'accord, nous allons procéder à l'alerte enlèvement. Mais je ne peux même pas bouger. Où est-ce que je dors ici? Où est-ce que je mange? Où est-ce que je bouge? Tu n'as pas besoin, voyons. Ici, on se repose. Plus de stress, plus de contraintes, plus besoin de manger, plus besoin de boire, plus besoin d'être triste. La tristesse ne peut pas être existante vu qu'on est avec tous ceux qu'on aime. Bah non, pas avec ma mère. Eh bien écoute, réfléchis bien. Chère sorcière, pourrais-je un jour réentendre ma petite Alma? Oui, au jour de la date à laquelle elle aurait été morte sur Terre. Cependant, si elle décide de retourner sur le monde des humains, bah... vous ne la verrez plus qu'au jour de sa mort. Par contre, si elle reste ici, on pourrait la voir tous les jours, juste sans lui parler. Oh là là, la pauvre petite, je peux rien lui dire, il faut pas qu'elle reste là. La petite est maître de son choix. Mais il faut qu'elle vive sa vie, elle n'a pas à me subir. Eh bien écoutez, elle en décidera elle-même, seulement elle-même. Mais elle ne pourra même pas profiter de sa mamie, et moi non plus du coup. Tant qu'elle est ici, vous restez ici. Est-ce bien clair, hein? Grand-père. Oui, c'est clair. Cela va faire 3 semaines qu'Alma a disparu. 3 semaines. Mais où est-elle? Je sais qu'elle n'est pas morte, mais... après son grand-père. Et elle, mais où est-elle? Alma, où es-tu? Je n'en peux plus de voir cette alerte enlèvement partout sur ma télé. Je veux la retrouver, je veux la revoir. Alors Alma, 3 semaines se sont écoulées. Qu'as-tu décidé? Moi, je te dirais de rester. Regarde ce que ce monde t'apporte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire souffrir ma mère, mais... je veux rester avec grand-père, mais si je peux pas l'entendre... à quoi ça sert? Je peux pas l'aimer dans le noir, moi. Alma, pars d'ici. Vis ta vie. Hi. Elle ne vous entend pas et elle ne m'entend pas. Ne vous inquiétez pas qu'elle va rester. Et non, elle ne vivra pas sa vie. Comme tous les autres humains que j'ai contaminés. Vous êtes odieuse, chère sorcière. Odieuse. Alma, reste, tu verras. Ce sera magnifique ici. Non, je ne peux pas. Je rentre. Je veux rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe au-dessus? C'était quoi ce bruit? Hein, mais... Alma! Alma, ça fait 3 semaines que tu as disparu. T'étais où? Mais je ne sais pas. Pour moi, ça n'a fait qu'une nuit. Hein, mais... comment c'est possible? Bon, peu importe. L'important, c'est que tu sois là. Oui. Et aujourd'hui, je vais aller m'inscrire dans une chorale. Ok. Profite. Bonjour, j'aimerais m'inscrire dans votre chorale, s'il vous plaît. D'accord, eh bien, inscrivez votre nom. Ok, super. Quelles que soient les personnes qui disparaissent de vos vies, continuez à vivre, n'abandonnez pas.
et continuez à réaliser vos rêves. C'est tout ce que j'avais à vous dire.